Bonjour, bonsoir, bon niveau d'appétit et bienvenue de retour sur Final Fantasy XII avec une vidéo qui j'espère sera moins longue que la dernière. Alors, on a vu du feu, on sortait et puis on a vu au secours, il y a du feu là-bas. Donc j'imagine que le temple du Burmesus, Putain, mais j'ai des drops de frame des fois. Chelou. Ah non, mon ordinateur, tu me refais pas une surchauffe comme la dernière fois, hein. La dernière fois, on a dû racheter un ventilo. Ah non. Ah oui, voilà. 50 degrés, quand même. Bon, en même temps, on joue à un jeu. On enregistre. Et on stream. Pauvre PC. N'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee pour pouvoir m'aider à acheter de meilleures cartes graphiques. Et à manger autre chose que des pâtes. Ah ! Ah oui, alors, attention. Changement climatique. À mon avis, c'est un hasard. Mais généralement, quand il y a changement climatique sur une zone, il y a gros esprit bien merdique quelque part. Et j'ai peur. Et donc, ça veut dire... s'enfuir en courant. Aïe, aïe. Ou alors ça veut dire chasse bizarre. Aïe. Karma du PC qui crame. Bah écoute, semaine dernière, ouais. Hein. Semaine dernière, on a eu une putain de surchauffe. En fait, la semaine dernière, c'est simple, mon water cooling est tombé en panne. On a dû racheter un méga ventirad. J'ai acheté un ventirad, mec. Va sur mon Twitter et regarde, j'ai posté ça. Ou sur le Discord. Non. Je sais plus pourquoi je l'ai posté, mais... j'ai... putain, mais on retrouve ces gros machins ici, maintenant. J'ai acheté un ventirad, mec. Tu trouveras pas plus gros. C'est pas possible. Il est Mastoc de chez Mastoc. De chez Mastoc. Mais au moins, il fait le taf. Vous voyez, regardez, 50 degrés pour... un os épais. Oh putain, désolé pour la petite caméra. Profitez, ça arrivera pas souvent. On monte. Non, c'est là-haut. D'accord. Non, il n'y avait pas d'esprit. Ok, tant mieux. À moins que ce soit toute la zone qui soit enneigée. Non, voilà, c'était un hasard. Ok. Bon, il y avait peut-être un événement. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une chasse qui va se passer à cet endroit-là, mais quand... quand il y aura les tempêtes de neige. Voilà. En vrai, mine de rien... J'upgraderais bien mon PC. Bon, évidemment, avant ça, faudrait que j'achète, que je puisse acheter un peu de autre chose que des pâtes, comme je disais. Mais c'est vrai que bon, là après, c'est vrai que j'ai un bon PC. J'ai quand même un bon PC. Je vais pas me plaindre. J'ai vraiment un très bon PC. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes mes configs. J'ai fait l'effort de le faire il n'y a pas si longtemps. Kamikaze. Salaud. J'ai fait l'effort il n'y a pas longtemps de poster toute ma config que j'avais sur mon ordinateur dans le lien matériel que vous avez en dessous. Vous pouvez tout voir. Alors, pas toi, YouTube, mais YouTube, si tu vas sur la chaîne Twitch, un petit onglet avec marqué matériel. J'ai posté tout mon matos et aussi mon matos au niveau des softs. Regarde le nouveau setup du youtubeur Amixem. Ah oui, non, mais attends. Regarde aussi le setup de Jacksepticeye et de... et de, je sais pas, de Zerator, MV et PewDiePie. Évidemment. Les mecs, ils ont 5 ans de partenariat avec tous les vendeurs de trucs de PC et ils ont des trucs à 20 000 balles, quoi. 20 000 balles, la RAM. La barrette de RAM. Donc bon, forcément, hein, c'est un autre niveau.
Mais bon, moi je trouve que pour un petit youtubeur dégueulasse qui fait les trucs dans son coin là, vous voyez, avec, avec 11 personnes qui regardent, franchement je trouve que... Enfin, j'ai cassé la tirelire quoi pour vous. Hein. Oui, donc ce que je vous disais en plus, c'est que j'ai mis aussi les softs. J'ai pas mis que le hardware, j'ai mis les softwares. Comme ça, s'il y a des YouTube, s'il y a des streamers, youtubeurs ou des personnes comme ça qui ont des questions sur quel logiciel tu utilises ou comment tu l'utilises, etc. Je vous ai mis tous mes logiciels que j'utilisais, enfin en grande partie, que j'utilisais. Tu peux afficher la map que j'utilise pour mon stream, et même un petit peu pour d'autres trucs hors stream, et les liens pour aller les télécharger. Voilà. J'ai fait l'effort de vous faire ça. J'ai plus de batterie. Il avance tout seul. Au secours, arrête-toi. Mais enfonce-toi l'USB. Ah. Ouais, c'est bon. Ok. Donc voilà, je vous ai fait tout ça. Ça, vous pouvez... avoir toutes les infos. Ouais, donc bon bah au niveau niveau pros, niveau pros, si je me trompe pas, j'ai un i7 8ème génération. J'ai 32 Go de RAM et par contre, c'est la carte graphique que j'aimerais bien changer. Que je la tire un petit peu quand même, la carte graphique. J'ai une 1080 MSI 8 Go. Ou 6 Go. Non, 8 Go. J'ai 8 Go de mémoire vidéo. Bon, bref. Ok, on y va. RTX. C'est une GeForce... je sais plus. Regarde dans le lien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, comment ose-t-il attaquer le sanctuaire Arcadia? Ne craint donc pas la colère des dieux? Ah oui, ah bah tiens. Ah bah bon chance. Hein. Il était protégé par sa foi. Hein. Comme quoi ça marche pas à tous les coups. Oh, alors attendez. Parce que j'ai eu quoi? Alors, carapace de dragon, cendre de bombo, 200 balles chacune. Oh, la chair purulente, 542 balles par chair. Ah ouais, je pourrais farmer ça pour avoir pas mal de thunes en vrai. Ça pourrait être pas mal. J'ai quoi d'autre? Croc tordu. Oui, laine fine, cuir tanné de géant, fourrure de qualité. Oui, non, il y a des trucs bien en fait. Ok. Par contre, ouais. Bon. Allez, on y va, on avance. Alors, il pleut. Rien, le juge, je prétends le gardien de la justice, mais ils n'hésitent pas à lever leurs armes contre les faibles et les démunis. Ah putain, incroyable. Bon bah ils ont juste attaqué le temple de Buromisas. Hein. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils sont crétins ou quoi? Ils étaient en train de craindre quoi? Ils craignaient de se faire envahir par des réfugiés. Putain, c'est l'extrême droite. Énorme. Ils croyaient que des gens pauvres à bord de canoës armés de brindilles et de leur ceinture allaient prendre le pouvoir face à des juges surpétés, surhommes. En vrai, à mon avis, c'était juste pour... c'est parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de se rallier à notre cause, je pense. Surtout, n'approchez pas du temple, les juges sont encore à l'intérieur. Sa grâce Anastasis tente de les raisonner. Ah. Ah. Bon bah... Putain, mais ouais, qu'est-ce qu'ils ont foutu?
C'est l'instant histoire. Voilà. Our vagrant princess. Swift as your lust for revenge led you to the Sword of Kings. You will surrender it to me. Too late and to their sorrow do those who misplace their trust in gods learn their fate. There it is again. Ah. Oula. Il transpire du mist. Fran, I don't like the look of that. This mist, he holds a stone. It controls him as it did Mjern. No, no, the power of manufactured netherite is the power of man. A weapon forged by his wisdom, who would challenge the gods themselves. A fitting blade for a true dynast king. Wraithwald did but pretend the title, a cur begging netherite scraps from his master's table. Hark! Ivalice hails her true dynast king, Vayne Solidor. He shall defy the will of the gods and see the reins of history back in the hands of man. His time is nigh! The new Ivalice holds no place for the name Dalmasca. The stain of Wraithwald's blood shall be washed clean from history's weave. Ah, il en fait des caisses! Oh merde, c'est combat, combat! Attaque de dos! Ah oui, genre, d'accord, ça veut dire que lui, il a son truc d'activer, mais pas moi. Eh bah, go dans ta gueule! Ils sont où les autres juges? Ah oui, d'accord, attaque de dos! Ok, on va attendre un peu. Que les autres juges arrivent. Oh, mais il est pas fort! Non, mais. Ah, 504, si, il est fort. Ah! Attendez, je vais le faire se rapprocher. Voilà, maintenant. Mist, impulsion, vortex, sur Bergan. Voilà, comme ça, on va taper tous les juges en même temps. Merde. Pinage! Oui, pinage. Bon bah, pinage! Ok. Bon, alors combien on va pouvoir faire? Ouais, donc il était un petit peu trop dans le mélodrame, hein, notre juge. Hein. Putain, on l'avait jamais vu ça. Hey, yit! C'est moi où elle a dit yit? Yit! Fouf! Ok, serre devant. Ha! Bon, ces âmes. Boum, boum, boum. Touche! Yes, ok. C'est tout. Ha! How about some of this? Putain, mais je suis con! Putain, mais après l'invocation, j'ai même pas fait les permis! Oh. Ah, j'étais complètement obnubilé par le fait que j'avais fait une VOD beaucoup trop longue. Merde, c'est trop tard. Ha! On va le faire après. Donc maintenant j'ai le pouvoir de tenir tête au juge. Allez, flouche. Le flush. Les toilettes. Au revoir. Oh, je t'ai défoncé. Succès débrouillé, le sage visionnaire. Mais tu délires. Oh la vache, je sens plus mes mains tellement ma manette vibrait. Regardez, il a une bague Windows. Pardon.
He set his very bones about with manufactured netherite. The Grand Kiltius? Wait, what about Larsa? Gone, spirited away by Judge Gabranth. You okay? Ah, Gabranth, encore fait le con, Gabranth. So he was here. Ah, as for our young lordling, he went along. To avoid trouble, you see, but Judge Bergen had other ideas. He flew into a rage, and I was left to fend for myself. Please, Princess, you must permit me to take you back with me to Rosaria. So that you can protect me? I would lay down my life at a single word to be sure, but I harbor no maundering delusions of valiant grandeur. Vane has our war pavilion jumping at shadows. They favor a preemptive strike, but you will convince them otherwise. You will see that they do not start this war. This I cannot do. Forgive me, but my errand here is not yet done. I must wield the Sword of Kings, and with it bring an end to the Dusk Shard. This stone, do you even know what it is? I can venture a guess. The Draclaw Laboratory in Arcades. The Empire's weapons research begins and ends there. Donc allez, en plein milieu de l'Empire. At once. Même pas peur. As for matters in Rosaria, I bid you luck. So you would leave each to fend for his own. Let us hope that you are not disappointed. Ah, that's right. Larsa left a message. The differences between our two lands will fade before the shared dream of men. My leave, I take. Ok. Ouais, non, c'est un sac à merde, mais il a un bon fond. De rien. How do you propose we reach Arcades? Arcadia's borders will be well guarded for fear of Rosarian invasion. We dare not approach by air. And their navy will see that the coast is watched as well. No, we go afoot. We'll cross into Arcadia in the Salica Wood. Oh, on va mettre 20 ans! We can reach the wood any number of ways, but the easiest is to head north from Nalbana. Retour Rabanastre, passer des RS. There's a hunter's camp just beyond the Salica Wood. Nalbina, forêt de Salica. The camp sits within Arcadia's borders, so Imperial patrols there should be sparse. Getting that far should be half the fun. Let's be sure we go prepared. Tu m'étonnes. Ah ouais, d'accord. Ok, ouais, mais sur le chemin, on va mettre... Il y aura 50 000 quêtes, il y aura 50 000 endroits qu'on va de découvrir. Wow. Oh la vache, ça va être monstrueusement long. Alors attendez. Avant ça... Ah oui, avant ça, on va aller au point de sauvegarde. J'imagine qu'il y aura encore un truc d'histoire sur le chemin. Point de sauvegarde et permis. Permis. Regardez-moi, l'histoire, c'est triste dans l'histoire et il pleut. C'est quel heureux hasard. Et regardez, il pleut même sous les arches. C'est incroyable. Hein. Quel grand vent. Enfin, il pleut. Une traînée de pixels blancs, quoi. En fait, j'ai l'impression que niveau graphisme... Bon, il y a pas Noirou. Noirou n'est pas là, il pourra pas nous dire, mais... Niveau graphisme, j'ai l'impression que tout ce qui est flotte... Il y a deux écoles. Il y a ceux qui se font pas chier. Et du coup, ça passe et on le remarque pas. Et il y a ceux qui se font chier. Et alors là, si c'est mal fait, ça peut faire plomber le jeu. Mais si c'est putain de bien fait, et que il a passé 100 000 heures dessus... ça peut être un truc de dingue. Là, visiblement, ils se sont pas fait chier pour la pluie. Alors, attendez.
Permis. 400 points à dépenser. Allez, voilà. Léon Mathéus est apparu sur la grille. Alors, Mathéus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je donne vraiment toutes les invoques à... Ah bah, je peux le donner à l'autre mage. Ouais. Je la donne à Pénélo, Mathéus. Il est où, Mathéus? Il est là. Et derrière? Oh non. Ah non, on n'a pas de deuxième grille. Oh, déçu. Allez, Pénélo prend Mathéus. Oh, je suis tellement déçu. Ah, je m'attendais à avoir une deuxième grille à chaque fois. Oh. Et qu'on finisse le jeu avec 20 grilles et tout. Oh. Oh, je suis tristesse. Oh bah finalement, on va pas se faire de personnage pété. Allez. On va continuer. Je vais continuer dans... Je vais juste prendre les permis d'accessoires. On va avancer avec les permis d'accessoires. Comme ça au moins ce sera fait. Donc ça coûte méga cher. Ah non, pas de push. Tac. Bon, fear. Non, il y a le 16 ici. 17 ici. 18 ici. Attends, on voit ceux qui ont le truc qui double les points de permis et ceux qui l'ont pas. 19 ici. Les 20, il faut 115. Diminue les coûts dans MP de 10%. Ah merde. Augmente les vitesses d'action de 10%. Ok, donc ça c'est bon. Fran. Ah oui, Fran, j'étais parti pour lui donner des armes en fait. Ses meilleures armes. Donc voilà, maintenant elle peut avoir le Sagittaire A. Qui je crois est le meilleur archer du jeu. En tout cas, c'est le truc le plus long. L'accessoire du pèlerin, c'est ça? L'accessoire du pèlerin. C'est-à-dire. Vous pouvez répéter la question? 16. Je peux pas acheter le reste. Tiens, les rebelles. H. Zou H. Tac. 7. Pour les PP x2. Oui, c'est ça, le pèlerin, oui. Oui. Mais tu connais bien le jeu. Sceptre 3, tant qu'à faire. Pourquoi elle est aussi en retard? Ah oui, c'est parce que c'était magie. Ah oui, mais attendez, il faut lui donner tous les gambits. Il faut lui donner tous les gambits. Et toutes les magies blanches. Ouais, vas-y, on va se concentrer là-dessus. Van. Bah c'est bon, j'ai fait le tour. Ok. On sauvegarde. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à Rabanastre directement. On va pas se refaire toute la montée. Hein. On va pas voilà, pas se faire chier. On va stepper directement. On va aller à Rabanastre et faire les différentes. Bah attendez, on va faire les quêtes. J'aime cette musique qui fait pleurer. Là. On va faire les quêtes, les chasses qu'on n'a pas faites. Parce que maintenant, j'imagine qu'une chasse de niveau 2, on peut la faire au moins. Ou la 3, là. Quoique la 3 était violente, quand même. Je lui avais fait 10 000. Il avait perdu que dalle. À la 3, j'ai peut-être pas encore assez. Ah putain, j'en sais rien. Peut-être au moins la 2. Ah, mais ça, c'est une 2 de... Ah ! Je crois que j'ai pas le niveau. Et j'ai peur que là, si je vais à Rabanastre, le jeu me redonne encore 50 000 chasses. Attendez, savez quoi? On va y aller. Se téléporter. Rabanastre. Secours. Oui. Je te rigole. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui. Téléporte-moi à la taverne. Putain, je suis sûr que je vais en avoir 50 000 en plus des quêtes. D'autres encore. Oh putain, on peut aller voir Mont Blanc aussi. Comme ça,
Il va peut-être me dire « Ah bravo, t'as pété le cul d'un boss ancestral !» Quoi qu'il y a des niveaux de... Ah mais regardez, ils avaient fait exprès de me donner un rang 5, un rang 3, un rang 5, un rang 2. Croix Béros. Ah j'ai pas fait le Croix... Ah le Croix Béros, on peut le faire. Et en fait, pour me dire, regarde, comme ça, ça va te donner une idée des rangs et tout ça, machin. Parce que maintenant, regardez, il y a un rang 2, un rang 3, un rang 3, un rang 3. Et ça, c'est beaucoup plus dans mes cordes. Ah, un faucheur. Jara. On va tout prendre. On va tout prendre et on va se faire quelques chasses. Pleine d'osmone, encore une fois. Chez les chelous, là. Un curl sombre. À Buromisas. D'accord, on en revient, génial. Merde, j'ai pas lu les... On va les lire après, on va les lire après. La Paon. Ok, c'est chez les Viera. Ah bah, on va retourner voir les Viera, pour votre plus grand plaisir. Et, j'ai pas regardé, ok. Donc maintenant, on va lire un petit peu. Je suis allé un petit peu vite, je suis désolé. Alors, il y avait... Mais pas avant ? Non. Donc, pour le repos des âmes... Alors, annonce relative à l'extable... Merde, mais je peux plus voir... Merde, je peux plus voir les sous-textes. Oh ! Un lapin du cul. Colère du géant de pierre, danger au fort du sanctuaire. Ok ! Alors attendez, il y avait... C'était où? Parce qu'il y avait un gros crapaud. Crapaud Béros, là où je sais pas quoi. Lui, c'est un rang 2. Voilà. Annonce relative au Croix Béros. Le client s'a dit... Ah, mais je m'en suis pas occupé parce que je lui ai même pas parlé. Le client Sadine est au village des nomades des plaines de Giza pendant la saison des pluies. On va s'en occuper. On va faire le crapaud. On va faire les niveaux 2. On va faire les niveaux 2. On va aussi aller voir Mont Blanc. Et on va faire les niveaux 2. Ça, normalement, ça devrait être dans mes corps. Je vous rappelle qu'il y a 7 à 8 niveaux de difficulté dans les chasses. Ça vous donne à peu près le niveau qu'on peut atteindre à la fin du jeu. Et là, je vais espérer faire les rangs 2. On peut peut-être retenter la 3 aussi. Hein, mais je pense que la 2, ça va le faire largement. Mais la 3... Je pense pas. Mais genre pas du tout. Mais donc, bravo, t'as cassé le cul d'un monstre millénaire. La compagnie Emmaüs te remercie. Ah, tu as vaincu le gradu... Mais excusez-moi, je vais trop vite. Ah ben voilà, c'est les gardes Sylvestres pour avoir apaisé le courroux de la forêt. Mais je voulais lire avant. Bon, il me donne 800 balles. Ah, tu as vaincu Tiamat. Fabuleux! La guilde des mineurs de Haine a envoyé ceci pour toi avec ses compliments. Pour avoir contribué à réduire les dangers qui nous menacent dans notre labeur quotidien, la guilde des mineurs de Haine. 900 balles. Alors tu as vaincu Vinuscar. Fabuleux! Les forgerons de platine ont envoyé ceci pour toi avec leurs compliments. Oh, envoie-moi un petit échantillon. Pour vous avoir permis d'étudier l'extraordinaire métal dont sont faits les écailles de Vinuscar. Équipement. C'est tout! Est-ce qu'il y a des nouveaux contrats? Non, il n'y a pas d'autres contrats à part la Gilles Kellogg. Tu sens que tu n'es pas à Utah, mais bon, ne plus pas enlever. Oui. NF. Ok. Non, bah, il n'y avait pas de nouvelles quêtes, mais il nous a donné un petit peu d'argent. C'est toujours ça de prix. Je prends. Alors. Du coup, on va aux plaines de Giza. Ouais, je suis allé là pour me TP directement. Alors, télécuporteur à votre service. Porte sud. Bah, à pied, c'est juste à côté. Ah putain, j'ai pas regardé s'il y avait de nouveaux équipements à vendre et tout. Je suis sûr que oui, ça va m'énerver, je vais devoir encore pex. J'ai rien à optimiser. Je peux m'équiper de l'épée des rois?
the fuck? 0 parade, mais 53 d'attaque. Alors, évidemment, ça ira pas à toi, ça ira plus à Bash. Ah non, il peut pas la prendre. Attends. C'est... Il faut un permis pour l'épée des rois? Baltier a l'air de l'avoir. Mais c'est parce que c'est un sac à merde et qu'il veut absolument tout, ou il y a vraiment un permis pour l'épée des rois? Attends, mais il a que des permis pour les flingues. Comment il pourrait avoir le permis pour l'épée des rois? Ah non, c'est juste parce que c'est Baltier, quoi. Et que lol. D'accord, ça n'a rien à voir avec les permis. Ah, attendez, je peux... Oui, je peux afficher, voilà. Ah merde, ça affiche que les magies. Ah, j'aurais bien voulu voir les permis des armes. Ah merde. Il y en a un dans les épées à deux mains. Mais il a pas d'épée à deux mains, Baltier. Merde. Bah, dans Chevalier, il devrait l'avoir. Je comprends pas pourquoi lui, il l'a pas dans Chevalier. Excalibur. Ouais, par contre, pourtant, c'est le symbole des épées. Tyrantine, Aubert. Épée de glace, démonicide. Oh d'ailleurs. Putain, il l'a... Je lui ai pas donné ça. Ouais, bah non, Nick. Solaris, lol. Bouclier du Zodiac, lol. Excalibur. Excalibur, Excalibur. Bah, comment ça se fait qu'il y ait pas... Je comprends pas. Très bizarre quand même. Ouais, c'est épée à deux mains, permis 1, Claymore, lame gardienne, justicière. Non, il y est pas, hein. Il n'y a pas d'épée, il y a pas de permis pour les épées à deux mains. Bouclier magique. Eh, bouclier magique, je l'ai. J'ai un bouclier magique, moi. Ça a l'air d'être genre un méga bouclier. Oh. On testera ça plus tard. Bah, je comprends pas. Visiblement, je peux m'équiper de l'épée des rois, mais c'est con parce que le seul qui peut la prendre, c'est un mec qui se tape à distance. Tiens, reprends les flèches fourchues. Ouais. Bah, yes. Excalibur, c'est la Joke Blade. Elle ressemble à Excalibur, mais fait qu'un point de dégâts. Excalibur, ouais. Ouais, d'accord. Mais y a pas un petit chat dessus? C'est un jeu de mots. Purr. Purr en anglais, ça veut dire ronronner. P-U-R. Purr. Excalibur. 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 Alors, on va descendre vers le village. Ah, mais ils sont anecdotiques maintenant, les ennemis. Regardez. C'est triste. J'aurais presque de la peine pour eux. C'est une référence avec X9, avec Excalibur. Excalibur? Il y avait ça dans FF9? Ça me dit rien. Ça me dit rien. Excalibur. Nerevar! Hey, salut! Hey, salut! Comment vas-tu, Nerevar? Ah, attendez, il a... Regardez-moi. Ah putain, Jean-Michemuche planté au milieu de rien. Oh, la tristesse. Abandonné de tous. Oh, j'ai eu regain. Hein? Attendez. Mais c'est un fantôme, en fait, regardez. Moi, à travers lui. La bague. La précieuse bague disparue, avalée. Avalée par le Croaberos. Éliminez-le pour moi. Oui, d'accord. La bague, sa bague. Trouvez-la, ramenez-la ici. Le monstre près du pont. Oui, d'accord. Tu es très synthétique hein, comme personnage. Ça va et toi? Fatigué. Mais ça va. Je suis pas en forme, mais je suis content. Déjà ça. Oui.
Alors, il peut être où? Ah bah attendez, normalement je le vois sur le dossier du clan. Croaberos, Croaberos, crapaud belliqueux et anneau précieux. D'accord, donc faut que je aille à gauche puis après en bas. Oh non. À gauche puis en bas. Aussi Tixi, hier il m'est arrivé une chose très spéciale que je n'avais jamais fait. Devine quoi? Manger une poire en faisant le poirier. Non? Manger une pomme en faisant le pommier. J'en sais rien moi. Qu'est-ce que tu veux que je... Comment veux-tu que je sache? C'est le mec, il arrive. Hé Nereva, devine quoi? Allez, bonne chance. C'est la valise RTL. Mais je peux pas le toucher. Ah si! Je suis pas là. Lol. Il a beaucoup de billes, crapaud, quand même. Le mec est un peu transparent, non? Le genre à se fondre dans le décor. Ah ouais! Est-ce que c'est lui qui donne le masque de pierre dans Zelda? Majora's Mask. On s'était fait chier à le chercher, d'ailleurs. Dis-moi tout, Nereva. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé de spécial? De specials? Épingle d'or. Nereva, il fait... Ah, en fait, je t'ai vu. Tu faisais tes courses, je t'ai vu, mais tu m'as pas reconnu. J'ai enfin goûté une hawaïenne et c'est bon. Un de plus. Un de plus dans notre secte. Yes! Comparé à ce qu'on m'avait dit. Non, mais franchement, le sucré-salé... Le sucré-salé de l'hawaïenne, si vous aimez le sucré-salé, les pizzas sur... Les ananas sur une pizza, c'est trop bon. Bouh, nul! Ah, mais j'adore. Mais c'est super bon. Mais en vrai, c'est super bon. C'est super bon. Il y a plein de gens... C'était... je sais plus quel youtubeur dit ça. Je crois que c'est... Si, c'était Cinnamon Toast Ken. Il disait, il y a plein de gens qui disent... par principe, qui disent ouais, en fait, ananas sur une pizza, ça devrait pas y être. Mais ils ont pas goûté. Mais en vrai, c'est super bon. Si vous aimez le sucré salé, c'est super bon. Enfin, yes, c'est crocro bon. Mais oui, c'est crocro bon. Attendez, il est où précisément? Dossier du clan, Roberos. D'accord, il est sous le pont. Ok. J'ai juste à corrompre mes frères et toute ma famille. Qui ont toujours pas goûté. Ah bah oui, complètement. C'est grave bon. Alors il doit être dans le coin. Ah, j'imagine que dès que je vais traverser le pont, il va apparaître de dans l'eau. J'aime pas dire ce genre de choses, mais ça se dit en français. De dans l'eau. De dedans de l'eau. Ouais, bah let's go. Hein. Attention, il va apparaître. Oui. Croaberos. Ah, il a un bravoure, vraiment. Bah, casser des culs, hein. Vortex. Allez, on se lance. Here we go. Got a surprise for you. Besoin d'un mecherel? Ouais. Non, en vrai, je suis tolérant. Juste que je n'aime vraiment pas l'ananas de base. Ah oui, non, mais ça, c'est différent. Et sur la pizza, c'est pire. Mais non, mais évidemment. On peut pas critiquer ceux qui n'aiment pas la hawaïenne parce qu'ils n'aiment pas l'ananas. Si vous n'aimez pas l'ananas, évidemment, ça sert à rien, t'aimeras jamais la hawaïenne. Mais ceux qui aiment l'ananas, les pizzas, tout ce qu'il y a sur une hawaïenne de base, et qui disent la hawaïenne c'est dégueulasse parce que le mélange ça se fait pas, ouais non, là c'est autre chose. Voilà. Tu aimes quoi comme fruit? Essaye avec un autre sinon. Ah ouais, non, attention par contre. Tous les fruits ne se valent pas. Je pense que mettre des litchis sur une pizza avec du roquefort et voilà, et du salami, je pense pas que ça se mélange bien. De l'orange, ça passe bien. Ah, c'est vrai que de l'orange dans du sucré salé, de l'orange, ça passe bien. Petite recette que je peux vous donner d'ailleurs. Je fais de la poitrine de porc à l'orange, moi. Eh merde, putain, j'ai rien eu. Je prends de la poitrine de porc. En fait, réduire. Avec la graisse et tout. Et
mettez de mettez, alors pas du jus d'orange, mais une orange pressée et quelques zestes dans le vent ziste. Vous mélangez ça en faisant réduire avec un peu de sucre et un peu de gnoc mam. Oh! Que penses-tu d'une pizza Kit Kat? Oh putain! 12 000 et... Ah oh, bah je l'ai quasiment... Bah je l'ai quasi tué. Oh par contre il se donne de... Son niveau a doublé! Oh putain. Alors là par contre il va taper sévère, ça veut dire. Oh non c'est tout! Oh mais il est gratuit! Ok bon bah niveau 2... Easy. Ça part en plus. Oh là là, mais il m'a rien fait. Il m'a rien fait. T'existes pas. Hop là. Allez hop. T'existes pas. Ah, mais il a un récup, hein. Ça lui donne un récup. Hein. Ok. Voilà. Une bague du crapaud. Yes. Roi Béros, vaincu. Paf. Je suis pas. En fait. Je suis plus salé que sucré, personnellement. J'étais plus sucré quand j'étais plus jeune. Maintenant, je suis plus salé. Maintenant, quand c'est trop sucré, j'aime pas. Genre, vous savez, toutes les vidéos nulles qu'on voit sur Facebook, les pubs YouTube, ces machins qui sont censés vous donner envie, quand le mec, il mélange 50 Kinder, qu'il le fait fondre dans une boule infâme... qui met dessus du gras, du sucre, du beurre, du sucre, du gras, il tartine ça de beurre de cacahuète avec de la confiture. Je sais pas, moi j'ai une envie irrésistible quand je vois ça de boire 20 litres d'eau quoi en fait. Je me dis c'est 20. Bon, après c'est là où on voit que je vieillis. Mais... moi je vois ça, ça me donne pas envie, je fais un j'ai envie de boire de l'eau. C'est beaucoup trop sucré. Je me dis, si je fais ça, j'aurais besoin d'un bypass et je vais mourir d'un infarctus dans les 5 minutes. Avec du Nutella par-dessus. Enfin bon, voilà, c'est trop. Moi, je suis plus salé que sucré. Bah, après, salé-sucré en même temps, avec un petit peu plus sur le salé. Évident. Sacrément grosse, les cuisses de cette grenouille. Ah ouais, ça donne faim, hein. Et c'est pour ça que tu aimes jouer à Dark Souls, parce que tu es salé. Oui, bon. C'est bien Dark Souls, hein. Enfin, bon, bref. Tu manges ça et vite au bloc au quadruple pontage. Ah oui, non, mais c'est clair. Ça, c'est clair et net. Allez, hop. Il va me donner quoi comme récompense? Tiens, ta bague. Ah, mais c'est vraiment un fantôme, en plus. C'est la bague. Je l'ai enfin retrouvé. Le Croix-Béros. Vous l'avez vaincu? Oui. 1200 balles, un sceptre ophidien et une pierre de TP. C'est pas fameux. Je vous en prie. La bague du crapaud. Apportez-la à mon aimé. Je faiblis, j'ai froid, si froid. Ah mais c'est vraiment un fantôme. Et c'est qui ta bien-aimée? Qu'est-ce que j'en sais? Oh, puis ça va même pas être... Souhaite que nous donnions la bague à une nomade du village. Elle y reviendra sûrement à la saison sèche. Ok. Ah oui, donc c'est pas pour tout de suite. Oh putain, ça veut dire que je vais clore la quête qu'une fois qu'il y aura la saison sèche et la fin de la saison des pluies. C'est de la merde. Bon, désolé, je dois y aller. Mais si je peux, je reviens faire un tour après. Bon, et à toutes. Des bisous, Nerevar. Oui, et oublie pas, Nerevar, rendez-vous à 21h sur YouTube. À 21h ce soir sur YouTube, il y a la première de mon best-of de novembre, du mois dernier. Des clips Twitch de novembre que vous me faites. Et j'y serai. Je serai avec vous sur la première, dans le chat YouTube. Putain, je lui fais 2600. D'ailleurs, ouais, hein, j'en profite, hein, oubliez pas. Hein, dès qu'il y a un truc qui vous fait rire sur la chaîne, que vous aimez bien... quand je dis une connerie et tout ça, n'hésitez pas à clipper. Comme ça, après, je fais vraiment une compile des clips. C'est-à-dire vers le chapitre 126, ça, 2, 3, oui, c'est ça. Eh ben voilà. Donc on a fini la quête de niveau 2. Il y avait un autre niveau 2, donc. Pour la saison sèche, oui. C'est lui. Il faut que j'aille à Jahara. Le chef Zayalou.
à Jahara. Bon, allez, vas-y, on y va. Ah, il va m'envoyer dans la mine de haine. Fais chier. Télécuporteur. Ah non, c'est pas toi. Annulez. C'est toi que je veux. D'ailleurs, il n'y a pas un moment dans le jeu, je crois, où on récupère un vaisseau. Et après, du coup, en fait, on peut stepper n'importe où, d'une ville à une autre, grâce au vaisseau de... C'est genre Baltier, la biscotte qui va le prendre. Parce que là, j'ai que 9 TP. Hein. 9 pierres de TP. Direction Jahara. Ouh, y a pas quelqu'un qui me vend des pierres de TP aussi. Ce sera bien. J'ai pas des manses, j'ai pas des manses de trucs. Oh putain, mais c'est 45 minutes. 45 minutes, désolé YouTube. Cette fois-ci, je respecterai les 45 minutes. Donc pour toi, la VOD s'arrête ici. En tout cas YouTube, j'espère que tu as kiffé. La prochaine fois, on va voir la prochaine chasse. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, évidemment, n'hésite pas à la partager et à mettre un pouce. Je te dis à la prochaine. Ciao.